Salut tout le monde, c'est Dargwa et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour essayer de faire top 1 à nouveau parce que j'en ai un peu marre de rester pourri. Je suis niveau 2 vu qu'il y a eu une grosse mise à jour que j'ai dû faire il y a pas longtemps en plus. Et du coup on va pouvoir démarrer la partie très bientôt. Donc là ça va démarrer et on est parti, donc je suis chaud. J'espère que je vais réussir à faire minimum, bah attendez, le minimum de place que j'ai fait c'était 9ème. Est-ce qu'on peut essayer de faire un peu moins que 9ème, genre 7ème peut-être? Je sais pas. En vrai, ouais, je sais pas. En vrai, faut viser le top 1, mais je le sens moyen quand même, le top 1 vu mon niveau par rapport aux autres. Donc je sais pas si vous le sentez bien d'ailleurs. Mais moi je le sens moyen moyen. Pour le moment, vous n'avez pas vu comment je joue aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas au courant de savoir si je vais réussir ou pas, si je suis en forme ou pas. Mais on va bien voir ça. En tout cas, je vais aller voir le volcan. J'ai vu un truc plutôt cool en jouant un petit peu hier. Il y a un truc plutôt cool en plus au volcan. Oh, waouh. Ah merde. Il y a un truc en plus. Ah, c'est juste à côté. Bon, on saute et... Hop, nickel. Hop, donc dans le volcan, il y a un truc plutôt cool. Enfin, c'est pas un item en vrai, mais c'est juste un truc qui est vraiment bien fait, que j'aime bien. C'est le fait qu'on puisse planer. Puis j'avais regardé des vidéos dessus aussi. On peut planer dès qu'on est juste dans le volcan et au-dessus de la lave là. Pas la lave là-bas, mais la lave sous le volcan, on peut planer. Et d'ailleurs, c'est quoi cette base là? On voit un petit truc là. Il y a un mec qui... Oh putain, il y a déjà un mec qui a foncé dessus. On va éviter d'y aller, on va passer dans le trou, tu vois. Là, on peut plonger. Et là, de toute façon, on risque pas trop la chute. Donc voilà, on plonge, on plonge, on plonge. En vrai, j'aurais pu chuter, j'aurais pu faire ça tout le long. Mais du coup, attendez. On doit aller jusqu'au trône. Donc... merde, ça lag un peu. Ok, nickel. Là, hop. Voilà. Hop 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 hop, tac tac tac. On peut pas aller là, on est d'accord. Ouais. Faut que je fasse gaffe aux mecs qui puissent arriver. Voilà. Parce que moi j'ai pas envie de mourir bêtement. Je sens que je vais mourir bêtement, mais. Mais j'ai pas envie. Voilà. Y a un mec là-bas, je crois. Non. Je suis pas sûr. Ok. Y a un mec. Enfin, attendez. J'ai mis un checkpoint. Il me semblait pas pourtant. Et là, le dernier. Ok. C'est quoi cette merde? Enfin, en vrai, c'est pas une merde, mais c'est. Attendez. Fusil d'assaut. Contre. Deux fois le même fusil. Ok. Merci. Nickel. Et voilà. On prend ce fusil-là. Voilà. Fusil d'assaut. Donc, allez. Oh, il y a un truc élémentaire ici. Pistolet, mitrailleur compact. Contre un fusil d'infanterie. Allez hop, je bon ok voilà, nickel. Allez hop, on fonce par là. Et ah ouais, on peut pas changer d'item dès qu'on est en l'air. Oh y a un mec, heureusement que hop, parce que là non ouais je vais me casser, je me casse. Hop. Ah, vous en faites pas, on perd pas trop de vie. Enfin, en vrai un peu quand même. Aïe. Non, c'est bon, j'ai pas eu de dégâts, ça va. Ok, hop, nickel. Alors, là, faut faire gaffe derrière quand même, toujours. Je sais pas pourquoi il y a un checkpoint là-bas. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, c'est trop cool! C'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Moi, je vais là-bas. Hop, dans la cabane. Voilà. Nickel. C'est beaucoup trop cool ce qu'on a pu trouver. Nickel, ok, bon, là il faut plusieurs sources parce qu'on n'a rien du tout. Donc si on a plusieurs sources, ça serait bien mieux. Hop, voilà. Et les mecs, est-ce qu'on est... On est où? En fait, on est où exactement sur notre monde? Il faut que j'enlève les pieds. Ça, tout va tomber à la limite, ce sera plus rapide. Voilà, j'enlève les pieds. Juste les pieds, puis tout va tomber. Nickel, ok, nickel presque. Voilà. Et... Ok, voilà. C'est bon. Ça a tout enlevé. J'ai tout récupéré. 213. Ok. Alors là... Ok. On prend, ouais, cette arme.
On est où exactement? Ok. Ouais, on met un pointeur là, comme ça, si on veut, jamais on veut aller au centre, on sait où c'est. Voilà. Alors, un peu d'arbres encore. C'est en vrai, je sais pas si c'est par rapport au nombre de dégâts qu'il y a sur l'arbre pour savoir combien on va récupérer de buffs. Je crois que non, mais il y a peut-être un petit indice par rapport à ça quand même. Parce que du coup, ça pourrait être cool de repérer comme ça si je vais avoir beaucoup d'éléments sur un arbre ou un arbuste ou n'importe quoi. Alors, dynamite. Bon, je sais pas quoi échanger. Je vais garder toutes mes armes d'ailleurs. Il y a personne là-haut. On est d'accord. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un en fait. Ok. On enlève encore quelques murs. Et on arrive du coup avec pas mal de construction au moins. Voilà. Hop, pas mal de construits. Bon là on risque de se faire shoot comme n'importe quoi vu qu'en fait on est pas tout protégé. Mais c'est pas grave. Ok. Alors c'est là-bas. C'est quoi ce qu'il y a là-haut? À droite? C'est une faille? Non, c'est pas une faille. C'est quoi? Ah oui, c'est un mec qui a dû détruire un bâtiment. Et du coup, il y a les items qui flottent encore. Oh, il y a des mecs là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de... Pour mieux viser. Ok, on va essayer ça. On essaie celui-là. Et on tire. Il doit être où? Je crois qu'il y en a un là. Là, par là. Putain, non! Le mec, il m'a shoot direct. Il m'a vu alors que je le voyais pas de loin en fait. Bon. Merde! Du coup, il me voit de vraiment plus loin. Je sais pas si c'est un problème de render distance ou des trucs comme ça s'il y a ou si c'est juste parce que je sais pas viser le mec, je sais pas où il est, j'arrive pas à repérer par rapport aux constructions. Je pense que c'est par rapport aux constructions surtout, ça me perd un peu, je sais pas par rapport à quelle construction est cassée par exemple, que je vois qu'il est en train de se faire casser, le mec est où par rapport à la construction, vu qu'il peut être très bien être devant comme loin avec un fusil, ou alors il y a une construction tout en bas qui lui a pu être pétée à la place. Et du coup ça pète l'autre en haut, mais bon. Voilà, donc il faut un peu s'habituer pour ça du coup. Bon, on va pouvoir faire une deuxième partie, donc là on espère au moins arriver top 10. Parce que j'ai même pas vu combien je suis arrivé là. J'ai même pas vu, en vrai. Mais du coup, faut essayer d'arriver top 10, donc en tuant des gens, pas en restant planqué. Sinon, ça serait un peu chiant. Donc, je vais prendre les avions en fait. Je vais essayer de prendre les avions. Ça, c'est la danse interminable. En vrai, peut-être qu'il y en a des plus longues, mais cette danse dure longtemps. J'avais voulu la faire en outro à un moment, mais du coup, je l'avais pas mise parce qu'elle était beaucoup trop longue. Ah. Waouh, l'arbre est géant quand même. Allez hop, on s'entraîne. Ah merde. Ok, piste de course. Ok, c'est là-bas. C'est là-bas les avions. Il y en a qui sautent là quand même, mais moi je veux aller là-bas. Donc c'est où exactement? Je crois que c'est... Ça doit être... Bon, il y en a peut-être un là. C'est possible. Ouais, on va essayer. Il y a plusieurs sites pour les avions en tout cas. Donc je sais pas si c'est un bon site ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé en plus aux avions. Ça fait hyper longtemps. Ouais, je suis un peu plus haut, je suis un peu trop haut quand même. Mais ça fait... Ah là-bas! Là-bas je suis sûr il y a des avions. Là il y a rien. Il y a rien, on est d'accord. Par contre là je vais mettre hyper longtemps à y aller. Donc les mecs vont peut-être me voler les avions. Mais ouais, c'est là où il y a les bâtiments rouges qu'il y a les avions. Et pourquoi il y a un mec qui contourne par là alors qu'on arrive de derrière? Ça putain, il perd du temps. Bon, en vrai, il m'a quand même dépassé, mais il perd quand même du temps à faire ça, quoi. Et les avions sont... je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'il y en a là-bas, mais je suis pas sûr. Faut, hop, foncer par là.
Et ok, on va sauter au-dessus. Voilà. Nice. Oh putain, j'ai peur quand même de... Ah oui, nickel. J'ai peur de glisser, mais non, c'est bon. Ok. Alors là, il faut essayer de trouver une arme directe. Parce que le mec, il va m'attaquer. En fait, et j'ai vu un mec juste pas loin. Donc il risque de m'attaquer direct. On a juste des ballons si on veut se barrer. Faut le temps en prendre. Hop. Voilà. On va aller par là. Et merde. Ok. Hop, nickel. Ouais. Mal. Ok, nickel. Lâcher un ballon. Ok. Merde. Voilà. Alors, là-dedans, il nous faut. Ok. Munitions. Toujours pas de. Il n'y a pas d'arme pour moi. Ah si, il y a une arme. Ok, nickel. Hop. C'est quoi ça derrière? Ah, c'est l'endroit où j'ai mis le checkpoint. Oh, bah, je suis arrivé pile au checkpoint en fait. Ça, c'est cool. Mais la porte, c'est une porte de Minimoys en fait. C'est tout petit. La porte a été enfouie sous terre. Allez, un peu de pierre. Bon, je sais pas où sont les avions. Peut-être pas en avoir un. Bah, il y a les tyroliennes à la limite pour voir où est-ce que c'est. Mais du coup, il n'y en a pas ici exactement. Voilà. Hop, on casse le bâtiment. 10 de fer, ok. Nickel. C'est quoi ce truc? Bon, c'est un truc normal. Qu'on peut pas casser apparemment. Mais je sais pas si on peut l'emprunter. Non, en vrai, je sais pas. J'ai l'impression qu'on peut pas l'emprunter. Ah, c'est un truc au-dessus. Ok. C'est juste un élément de déco en plus. Il y a pas un mec là-bas? What? Non, ok, j'ai dû casser ça en plus. J'ai dû casser ça en plus. J'ai peur qu'il y ait un mec quand même, donc je fais un peu gaffe. Oh! Un overboard. Ça, c'est cool. Et ça, c'est nickel. Voilà. Et nickel. Ok. Bon, bah écoute. Voilà. Et c'est quoi pour mage gauche accélérée? Voilà. Merde, je me suis un peu fail. Ok, bon, on va là-bas. Donc, aïe, aïe, il s'est un peu fait détruire. Ah, un chouïa. En vrai, je sais pas, on voit pas tellement se faire détruire non plus, mais on a l'impression qu'il se fait détruire. Et je crois qu'on peut emprunter ça avec. Voilà. Hop, non, non. Ok, nickel, j'ai eu peur quand même. Je me suis dit, putain, mais on va se faire défoncer. Mais bon, ça va. Parce que du coup, il y a la grosse chute. Ah, allez, on sprint. Vas-y. Il y a un mec là-haut. Ok. Là, là, là. Ah, putain. Non, il y a un autre mec là. Un mec là-haut. J'ai épuisé tout mon char. Non! Non, fais pas chier, mec! Non, je me casse, moi! J'ai rien demandé à personne, non! Non! Putain! Je savais que j'allais pas le tuer, donc j'ai voulu fuir. Bah, ça a pas fonctionné. Je pensais que c'était une technique infaillible. Mais c'est vrai que fuir en étant sur un overboard, c'est pas ouf. C'est comme si on était à pied en train de fuir. Le mec, il nous touche aussi facilement. Donc, j'avais pas beaucoup de chances de survivre. Avec un... Merde, un kart ou... Non, c'est pas un kart. Merde, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus, tracteur ou un truc du genre, je sais plus comment ça s'appelle. Le quad, voilà. Avec un quad, j'aurais pu, mais vu qu'il y avait, il y a une protection dans le quad et puis c'est plus simple. Mais là, avec un overboard, c'est un peu plus compliqué de fuir. Donc j'ai pas pu. Bon, j'ai pas non plus vu mon top. Je verrai au montage, en tout cas, combien je suis arrivé. Ce que je sais, c'est que j'ai pas fait une partie vraiment ouf.
Donc c'est pas ouf ça. Y en a aucun gratuit. Nouveau. Non, il y en a pas de gratuit. Moi j'ai 0 0 V-Bucks. Ah bon allez, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Ah, il y a aussi là pour emote. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo de tous vos amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo! Je vous avais dit comme était longue la danse. Tchuss!